Bien, je vais vous parler d'un jeu, enfin qui fait partie des jeux que je préfère sur plateforme Thomson, qui s'appelle Wizball. Donc, je suis sur l'émulateur DC Moto qui existe sous Windows et qu'on peut utiliser sous Linux via l'émulateur Wine. Donc, dans un premier temps, je vais paramétrer les raccourcis clavier pour la manette. Donc, je vais dans Outils, Manette. Là, j'ai manette 0 et manette 0.1. Manette 0 et manette 1. Donc, ce que je fais, c'est que je clique dans haut, par exemple, et je fais. Alors, je clique, je maintiens enfoncé. Non, je maintiens la touche flèche bas et je fais haut. Là, je maintiens la touche flèche haut et je fais haut. Vous voyez, ça change. Vous voyez pas sur mon clavier, mais c'est ce que je fais. Donc, bas, j'appuie sur la touche flèche bas du clavier. Je maintiens enfoncé et je clique sur bas. Gauche, donc je touche sur la touche gauche du clavier et je clique sur gauche et droite, je maintiens toujours. Alors je peux mettre 1 par exemple, je mets 1 et je fais droite. Donc là ça met le caractère 61, c'est pas ce que je veux. Je rappuie sur la touche droite du clavier et je clique sur droite. Quant à action, là il faut que je la fasse avec espace. Ça marche pas là, donc il faut que je clique sur action d'abord, j'appuie sur espace et je fais action. Alors si je fais avec L par exemple, je fais action, L, je vais, hop, donc j'appuie sur espace et je fais action. Voilà, je valide. Maintenant, je vais chercher le fichier SAP qui contient le jeu Wizball. Bon, là, il est déjà téléchargé, mais je vous indique la procédure. Donc je vais dans support amovible, charger, et là je vais dans mes fichiers. Alors oui, j'ai pas mal de trucs en fait, arcade, aventure, beat'em up, etc. Et c'est un jeu d'arcade, donc ça c'est des dossiers que j'ai préenregistrés. Alors oui, là c'est une fenêtre Wine qui existe sous KDE. Et là je vais dans. Où est-ce qu'il est déjà? Il est pas là, il est en top parce que j'ai mis dans les jeux top. Wizball, je suis OK. Et là je n'ai plus qu'à cliquer sur B. Voilà. Wizball. Alors Wizball, c'est quoi le principe? En fait, c'est une balle qui est dans divers univers. Et à chaque fois, elle doit remplir des pots de peinture rouge, vert, bleu. Mais il y a un pot de peinture final qui est une combinaison de peinture. Alors vous verrez, le premier niveau, en fait, il faudra compléter avec du rouge et du bleu pour donner du mauve. Donc voilà. Et la balle, en fait, elle rebondit tout le temps au départ. Et là, en haut, vous avez les différents bonus qu'on a au fur et à mesure. Alors, en fait, les bonus, je vais vous montrer comment on y accède. On dégomme des choses avec la touche Fire de la manette, qui est le bouton espace là. Et parfois, ça se transforme en cercle. Et quand on va dans ce cercle, et ben ça augmente le bonus de 1. Alors, au départ, en fait, je vais essayer d'avoir celui-là qui concerne la stabilité de la balle, enfin de Wizball. Au départ, en fait, elle rebondit tout le temps. Ah, vous verrez ça. Elle rebondit tout le temps. Voilà, il rebondit tout le temps. Il rebondit tout le temps. Et donc si je vais à droite ou à gauche avec la manette, enfin les touches de souris, voilà, j'appuie sur Fire. Ouais, il y a un cercle jaune qui apparaît. Donc là, ça apparaît pour l'instant, les options, ils apparaissent en. Voilà. Donc là, la première option, elle apparaît en rose. Donc ce que je fais, c'est que je fais la manette droite-gauche. Alors j'essaie d'accélérer la manette. Oh là. J'essaie d'accélérer la manette droite gauche. Voilà. En fait, pour activer la. Oula. Boum. Bah je me suis fait avoir. J'ai activé la manette. Enfin, j'ai balancé la manette droite gauche à toute vitesse. Donc, flèche droite, flèche gauche. Pour valider l'option. Vous voyez, au départ, l'option apparaît comme ça. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Oups là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un problème. Toc. Voilà. Donc je fais ça. Là maintenant vous voyez que ça apparaît en rose. Voilà. Et donc là il y a quatre flèches. Il y a quatre doubles flèches qui apparaissent là. Donc ça veut dire qu'il faut que je valide encore une fois le. Il faut que je dégomme encore un truc comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Non, c'est pas facile là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller ailleurs.
la première option. Donc une fois que ce sera validé, j'aurai fait deux fois le... Ah, c'est pas facile, hein. Vous voyez, ça rebondit tout le temps, c'est un peu chiant. Mais au départ, on a que ça, en fait. Le seul choix qu'on a, c'est essayer de grimper... Oula. Voilà. Non, c'est pas bon. Là, c'est pas facile, hein. Hop, voilà. Donc je fais ça. Voilà, j'accélère manette droite-gauche, comme ça, et voilà. Donc maintenant, c'est figé. Et je veux le second bonus, ça, ça donne accès au chat. C'est-à-dire qu'on a un chat qui pourra se déplacer avec vous. Enfin, qui pourra se déplacer avec vous tant que vous n'êtes pas... Et là, je veux la deuxième. Voilà. Donc là, c'est le deuxième, c'est un chat, en fait. Pour la valider, bon, c'est pareil, j'accélère la manette droite-gauche. Toc, toc, toc. Enfin, je fais des allers-retours avec la manette droite-gauche. Mais c'est pas facile. Hop là. Voilà. Et vous voyez, le chat, il apparaît là. Donc le chat, en fait, quand je me déplace à droite, gauche, au bas, bah, il s'agglutine tout le temps. Comment je fais pour qu'il se déglutine? En fait, j'appuie sur le bouton fire, donc bouton tir, et je déplace les flèches de souris à droite, à gauche, en haut, en bas, et le chat il peut se déplacer quand, tant que j'ai le bouton de souris appuyé. Si je lâche le bouton de, tir, hop, le chat il revient. Voilà. Donc là, je vais aller au troisième niveau. Ah bah, il y a déjà des trucs comme ça qui apparaissent. Donc le but, là, c'est de récolter des... Ah, boum, je me suis fait avoir. Bon. Toc. Je recommence. Le but, c'est de récolter des couleurs, en fait. Et là le premier niveau... vous voyez, on est là à l'écran 1. Le premier niveau, en fait, ce qu'il faut, c'est récolter du rouge et du bleu pour remplir le chaudron qui est le plus à droite. À droite du bleu, là. Ah mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Non. Hop, je récupère le chat tout de suite. Alors en fait, les options, on peut les récupérer pas forcément dans l'ordre. Hein. Vous voyez, là, j'ai commencé à prendre le chat. Peut-être pas forcément une bonne idée. Mais si j'appuie sur le bouton de souris. Alors, si j'appuie sur le bouton de souris. Hop là. Voilà, c'est pas facile. Voilà, j'appuie sur le bouton de souris. Est-ce que ça marche? Est-ce que le chat peut le récupérer? Non, le chat peut pas récupérer les bulles. Il y a que Whizball qui peut récupérer les bulles, en fait. Ok. C'est pas facile, hein. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai déjà plus de vie, hein. C'est ma dernière vie là, donc. On va essayer d'aller doucement. Je voudrais bien le figer quand même. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Merde. Bon, allez. Voilà. Voyons. J'essaie de récupérer ailleurs. Ouais, déjà rien que pour récupérer ces trucs là, c'est pas facile, hein. Ça demande beaucoup de pratique, c'est un jeu d'arcade. Alors c'est un jeu d'arcade type des années 90, hein. 80, pardon. C'est-à-dire que c'est difficile à manier, les niveaux sont pas évidents. Voilà. Donc là je vais faire ça. Hop. Ah bah boum, j'ai perdu. Tant pis, je recommence. Hop. Je termine. Bon allez, je repars. On a 4 vies au départ, en fait, donc. Voilà. Là, oula, voilà, j'ai toc, donc là, je vais avoir le... Alors, je commence. Voilà, j'arrive à figer. Alors, c'est vrai que au niveau du gameplay, c'est pas terrible le fait de manipuler l'émulation du joystick droite-gauche comme ça. Il aurait fallu une option plus simple, à mon avis, hein. Après, c'est les années 80, hein, c'était le gameplay était pas forcément toujours évident. Bon, de toute façon, il faut mieux avoir cette option là déactivée dès le départ pour être stable au niveau des... Donc j'appelle le chat là, voilà. Donc là, oui, en fait, je vais peut-être me caser à cet endroit-là. Donc là, au niveau de l'écran, je vais me caser entre ces deux trucs, espèces de tunnels, de mini-tours, parce que ça va être plus simple pour récupérer les autres trucs par la suite. Alors les verts, là, les couleurs vertes, ça m'intéresse pas trop, en fait. Oh putain. Ça m'intéresse pas trop, ce que je veux, c'est le bleu pour l'instant, donc voilà.
c'est pas grave. On va attendre un peu. Je vais vous montrer ce qui se passe. Alors je vais vous montrer ce qui se passe quand on dégomme les couleurs. Vous voyez, en fait, on a... Vous voyez, il y a le chaudron vert qui se remplit quand je récupère les gouttelettes que j'ai dégommées en bas. Alors il me faut du rouge, il m'en faut du rouge là. Donc là je vais essayer de les récupérer. Ah, il faut le rouge là. Voilà. Là il me faut du rouge parce que en fait le violet c'est du qui apparaît à droite dans le chaudron de droite, c'est un mélange de rouge et de bleu. Donc c'est pour ça qu'il me le faut absolument là. Donc j'appuie sur le bouton fire toujours. Voilà. Là je vais essayer de récupérer une autre option. Donc là le troisième bonus ça donne des tirs non pas à droite gauche mais des doubles tirs en diagonale. Et ça c'est plus intéressant par la suite. Donc là je vais essayer de... Voilà. Donc là c'est pareil, il faut l'avoir deux fois. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette option-là deux fois avant de... Le chat, en fait, il peut se faire toucher par les cibles plusieurs fois avant d'être dégommé. Parce que Whizball, il se fait toucher une fois par les cibles et il se fait dégommer, donc on perd une vie. Mais le chat après on peut le récupérer autant de fois qu'on veut parce qu'une fois qu'on l'a perdu, si on a un bonus qui apparaît sur la droite là. Alors est-ce que je vais pouvoir... Bon pour l'instant le violet il est rempli qu'au quart en gros donc c'est pas terrible mais on peut faire mieux. Ça maintenant là, donc à chaque fois que je vais dans une bulle ça fait augmenter les bonus de 1. Donc là je vais faire ça, voilà, maintenant je vais avoir les, vous allez voir, j'ai avoir les tirs qui sont en diagonale, hop là. Donc là c'est vachement intéressant, c'est comme ça que je peux récupérer facilement les gouttelettes de peinture hein, par la suite. Là, ça donne rien, ça fait pas avancer le bonus, le chaudron de droite qui ah voilà, je vais vous montrer ce qui se passe là quand le chat disparaît. Hop, alors en fait là maintenant il faudrait que je puisse récupérer une bulle jaune. Là j'ai perdu mon chat, je récupère la bulle jaune et je refais à nouveau. Voilà, je peux le récupérer en allant sur le bonus qui est à droite. Donc maintenant hop. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais dans un niveau en dessous là? En fait, je me retrouve avec. Ah, zut! Je retrouve un l'écran à nouveau. Bon, là, je suis obligé de tout recommencer. Pour avoir les bonus, c'est pas terrible. J'ai perdu une vie. Enfin, Whizball a perdu une vie. Voilà, putain. Waouh! Vous voyez, c'est pas évident. Ah bah j'ai perdu une vie, bon. Voilà. Faut pas aller trop vite, faut aller doucement. C'est pas un jeu où il faut se précipiter, hein, mais il faut être assez stratégique. Faut essayer de voir comment se déplacent les ennemis en fait. Voilà. Et au départ, de toute façon, il faut tout le temps... Faut tout le temps essayer d'avoir le bonus de stabilité comme ça. Voilà. Récupérer le chat. Pour le chat, il faut deux bulles pour avoir le bonus, pour avoir le deuxième bonus. Voilà. Donc là. Voilà. Ah zut. Voilà, je vais avoir le chat là. Oui.
Mais les ennemis se déplacent toujours sur une trajectoire particulière. Donc du moment que vous camouflez. Voilà, là, je remplis le bleu. Voilà, je remplis le bleu. Et j'ai plus qu'à remplir le rouge quasiment là. Non, il faut encore un peu de bleu. Pour avoir le magenta, la couleur magenta. Voilà, hop, je retourne là. Voilà, c'est pas facile. Oula. J'essaie de l'avoir lui parce qu'il est chiant. Il se déplace pas de la même façon suivant le type d'ennemi qu'on a. Donc là je vais pouvoir aller là, hop. Pour avoir le bonus tir en rafale. Voilà, je me repositionne là. Voilà, maintenant c'est bon. Bon, les verts, je m'en fous un peu. Des rouges, si je pouvais avoir des gouttelettes rouges, passer au suivant, ça serait pas mal. Bon, je vais essayer d'aller de l'autre côté, on va voir ce qu'il y a. Ah, il y a encore des ennemis là. Vous voyez, les tirs en rafale, en fait, elles vont à la fois au-dessus et en dessous. Donc là, ça peut être intéressant. Dernier bonus, je vais essayer de montrer ce que ça fait. Ah zut! Bon, c'est la dernière ville. Ok. Je vais essayer de pas trop déconner. À chaque fois qu'on perd une vie, bah on redémarre pas tout à fait à zéro, on a quand même tous les chaudrons qui sont là. Donc voilà. Ah zut. Voilà. C'est pas évident, hein. Il y aura une autre option pour valider les bonus, ce serait pas mal. Parce que là franchement, c'était le gameplay des années 90, hein, c'était franchement pas terrible. Avant l'arrivée des consoles type des années 80, pardon. Avant les consoles de type Game Boy, et, enfin Nintendo, etc., où il y avait un excellent gameplay, avant sur les ordinateurs, ici en l'occurrence le Thomson TO-8, c'était pas terrible en fait. Alors, faut savoir, c'est que ces ordinateurs-là, c'était des fréquences à 1 MHz. Hein. On est très loin des 2 GHz qu'il y a sur les PC actuels. Et c'était les programmeurs, ils faisaient preuve d'un génie incroyable sur le Thomson, c'était le langage basique. Langage basique et langage assembleur. Donc, j'en ai fait un peu, j'ai fait beaucoup de basique et un peu d'assembleur. Mais il y a eu quand même, un environnement pour programmer en Turbo Pascal, enfin en Pascal plutôt, sur Thomson. Ah merde, qu'est-ce que je vais faire? J'espère que je vais pouvoir remplir un truc.
Ouais, enfin, avec ce jeu-là, c'est vraiment pas évident pour passer rien que le premier niveau, vous voyez. Parce que j'attends toujours les gouttelettes vertes et bleues. Ils sont toujours pas là. Bon, ben. Hop. Voilà. Boum, j'ai perdu. Bon, ben voilà, je vous ai présenté Wizball. Ça fait partie des jeux d'arcade, des jeux d'arcade favoris qui étaient sur Thomson, voire même toutes les plateformes confondues. Enfin, je trouve, le concept, je trouve ça intéressant. Si on commence à savoir manipuler le truc, le concept de mélanger les couleurs et puis de passer d'un niveau à un autre. Alors, je vous ai montré que l'écran 1, mais il y a 9 écrans en fait, il y a 9 niveaux à Wizball. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce petit reportage sur des rétro-actu, donc des jeux sur les Thomson, les ordinateurs Thomson TO-8. On va voir une autre session très prochainement sur d'autres jeux, voire des démos qu'on voit sur Thomson. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir.